Cette pyramide, on la connaît bien à Jérusalem. C'est celle de la boutique des Sher Kassem, vendeur d'épices de père en fils depuis 5 générations. Elle est fabriquée avec du za'atar, l'incontournable de la boutique. The special thing is za'atar. We still have the good taste of za'atar my grandfather. And we still have the recipe of my grandfather here. It's right how to make the spices. En Terre Sainte, on aime consommer le za'atar avec du pain, de l'huile et parfois du fromage frais en guise de petit déjeuner. Mais le za'atar, qu'est-ce que c'est exactement? Une herbe ou un mélange? C'est un peu de tout ça. Le za'atar, c'est une herbe qui s'appelle en latin Origanum syriacum. Et donc c'est l'origan syrien, mais dans le terme syrien de l'ancienne Grande Syrie. Donc la Syrie, le Liban et la Palestine. Le za'atar pousse donc dans la région et le mélange qu'on fabrique avec varie selon les pays. Il n'y a qu'une recette. C'est du za'atar séché, du sumac, un peu de sel, qu'on va moudre ensemble, et après on rajoute de la sésame grillée, et c'est tout. Il y a quelque chose de commun entre cette feuille-là et le mélange du za'atar, c'est ce goût piquant. Dans la boutique des Sher Kassem, on y ajoute un élément atypique, conformément aux recettes de l'arrière-grand-père. We add the most important thing, not everybody they use, the butum. Butum is like a pistachio thing. It's like a taste of pistachio. They give the za'atar color of very beautiful taste. The authentic Palestinian za'atar, it includes pistica palestina, what we call in Arabic butum. This, what we call butum, I'm gonna bring you here to show you. As you can see, it's come in a different colors, red, green, and bluish. And it's look like a peppercorn, but actually from the pistachio family. Pistica, it is like a Latin word for nuts, and Palestina is it's a species that grow here in Palestine. Cette petite noix est le fruit du térébinthe, un arbre mentionné plusieurs fois dans la Bible. Elle est aujourd'hui tombée dans l'oubli, et les za'atars qui en contiennent encore se font rares. Lorsqu'il est encore frais, le za'atar possède de bonnes vertus médicinales. Il soulage par exemple les pathologies respiratoires et aide à la digestion. Moi, ce que j'adore avec une nabil, c'est que j'ai droit toujours au côté médicinal des choses aussi. Une nabil utilise la maramia et le za'atar pour faire des boissons avec aussi, des boissons chaudes. Mais elle reconnaît qu'elle aime bien le sucré, donc elle rajoute du sucre. Je pense que ça perd un peu de son effet. Qu'on parle de la plante ou du mélange aromatique, le za'atar est bel et bien enraciné dans cette terre. Oserait-on dire que c'est le goût de la Terre Sainte? C'est un des goûts de la Palestine. Oui, pour moi, le za'atar fait partie de ces goûts. Mais il y en a tellement